Bonjour. Voilà bien longtemps que je n'avais pas vu le petit vapeur de Julien. C'est un Regner de la gamme Microline. Le moteur était fixé. Il n'y a pas de marche arrière. Ah ouais. Comment ça se fait? C'est un monocylindre. Ah oui. Il tourne que dans un sens. Donc c'est un petit ensemble chaudière. Combien il mesure à peu près, à ton avis? 10 cm de haut, même pas quoi? Ah oui. Et la machine fait ça. Il fait 0,5 cm3. Ouais. Le déshuileur est un pot de yaourt. Oui. Oups, attends, j'ai bougé, excuse-moi, parce que j'étais en train de descendre. Voilà. Reviens vers moi, mon homme, reviens vers moi. Je sais qu'à la vitesse où tu vas. Et il est chauffé à l'éthanol, c'est ça? À l'alcool à brûler, d'accord. Ah, il marche parfaitement, on voit parfaitement la machine. La petite machine oscillante, faire son travail. Tout en bois de récup, c'est ça, hein? Ah, c'est les chutes de la barre. Regarde ça, comme un con, hein. Bon, bah écoute, il bouge, hein, à défaut. Ouais. L'avantage, c'est que je ne le perds pas, sauf quand je bouge, mais je ne le perds pas. Ouais. Et puis, on voit bien les pistons bouger, donc on peut pas me raconter que c'est un faux. Et le fait d'avoir changé le cerveau par un micro-cerveau, c'est vrai qu'il est bien équilibré, il est bien plat. Bah écoute, il fonctionne. Hein. Avant, il y avait un cardan. Est-ce qu'on a un petit niveau dessus? J'arrive pas à savoir, non? Il n'y a pas de niveau, d'accord. Faut juste savoir que quand il marche plus, c'est qu'il n'y a plus rien dedans, quoi. Bah, dès qu'il n'y a plus d'alcool gélifié, c'est que il y a quasiment plus d'eau aussi. C'est très bien conçu. Donc, Microline. Bah écoute, merci de l'avoir mis à l'eau parce que vraiment je ne voulais pas le filmer sur la table. Et il est quand même mieux dans son élément. Et je vais, hop, dire au revoir les amis.